Je suis en train de marcher sur une plage. J'ai des gens qui me croisent. Forcément, ils me regardent bizarrement, ils me demandent ce que je fais. Ils se demandent ce que je fais. Pourquoi je parle à mon appareil? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un que je connais sur Skype? Ou autre? Est-ce que je suis gêné? J'ai pas à me sentir gêné puisque ce que j'ai envie de faire, c'est partager, faire une vidéo pour se sentir bien en fait, ne plus être sensible à ce que peuvent penser les autres. Non, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile hein, de parler à son appareil en étant concentré sur ce qu'on fait, alors qu'autour de nous, on ne sait pas ce que les gens pensent, ce qu'ils peuvent se dire, ce qu'ils peuvent imaginer. Mais est-ce que ça a réellement une importance sur ce que je dois être, sur qui je dois être? Non, non. Donc, c'est pour ça que je vous entraîne, je vous pousse à faire des vidéos, à vous sentir à l'aise, à ne plus vous sentir impacté, gêné ou dérangé par les choses qui sont autour de nous. Ce que peuvent penser les gens, ça les regarde. C'est pas notre problème. Moi, je suis et eux, ils sont. Et ça n'a pas à nous impacter, ça n'a pas à nous toucher. À partir du moment où on se sent bien, qu'on aime ce qu'on fait et qu'on est bien dans ce qu'on fait, on n'a pas à être dérangé par le regard, par ce que peuvent penser ou ce qu'on peut imaginer que pensent les gens. Parce qu'après tout, on n'est pas dans leur tête, on n'est pas télépathe, donc on ne sait pas ce qu'ils pensent. Ce n'est pas parce qu'ils nous regardent qu'ils vont avoir, qu'ils vont se dire quelque chose à notre sujet. Non, non. Donc, soyez qui vous êtes, du matin au soir, du lever au coucher. Soyez à l'aise. Aimez-vous, croyez en vous, ayez confiance en vous. Et tout se passera super bien. À bientôt.